Il est 5h du matin, on est en Suisse. On a encore 7 heures de voiture, de route. Mais salut les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une disposition un petit peu plus différente pour le vlog parce que, comme vous le savez, on a fait 14 heures de voiture. Alors, mis à part des vidéos de Solène et moi en train de dormir dans la voiture, j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc, au lieu de suivre ma journée comme on a l'habitude de le faire sur les vlogs d'août, et ben on va faire quelque chose d'un peu plus différent. Et c'est moi qui vais vous raconter un petit peu ce road trip et notre arrivée en Italie. Parce que oui, vous étiez plusieurs à l'avoir compris, on est parti en Italie avec Solène. On a une petite maison au fin fond de la Toscane. On est dans une campagne et on est les seuls à des kilomètres. On n'a pas un seul voisin, on peut faire ce qu'on veut. Et on a un panorama de folie, c'est juste magnifique. Franchement, j'ai jamais vu un paysage aussi beau. Commençons par le commencement. Dans la voiture, on a beaucoup dormi parce qu'il était 2h du matin quand on est parti. Mais j'ai pris un petit peu le temps de monter une vidéo que j'ai faite en partenariat avec Cadeau Unique, la marque de la bouée. Vous savez ma bouée que j'appelle Karima, la bouée licorne. Et en fait, comme ils aimaient bien la façon dont je montais et les photos que je faisais, bah, ils m'ont commandé une vidéo pour leur site. Je suis pas du tout payée pour vous en parler, je suis pas du tout payée pour vous montrer ce que j'ai fait pour eux. Mais bon, je me suis dit que j'allais vous la montrer, comme ça vous voyez un peu ce que j'ai fait pour eux. J'ai mis beaucoup de temps à la faire. C'est une vidéo d'une minute trente, même pas. Et on s'est éclaté à la faire avec Solène, on l'a tournée chez Solène et on s'est vraiment éclaté. Donc voici la vidéo. On aime bien là, vous trouvez pas? Vous trouvez pas que ça sent l'été? Mais vous savez ce qui manque? Ma bouée de chez Cadeau Unique qui fait juste 2m70. Et vous savez quoi? Maintenant la pool party peut commencer! Cette petite vidéo pour Cadeau Unique, en tout cas nous on s'est éclaté à la faire et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le montage. C'est pas la première fois que je fais une vidéo pour un site, ça fait un peu partie de mon travail, de ce que je fais en dehors de tout ce qui est école, etc. Parce que j'ai monté l'entreprise Elena Situation. Donc du coup avec cette entreprise, bah, j'ai pas mal de petites choses que je fais à côté, notamment des vidéos pour des marques. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Donc après 4-5 heures de route, on a commencé à voir la dalle. Et comme on était déjà en Italie, on s'est dit qu'on allait faire un petit resto typique, un petit truc italiano, vraiment un plat fait avec amour, un petit restaurant fin fond de la campagne. Donc voilà, on a été à Burger King. C'est la première fois que je mangeais Burger King. En tout cas, le burger végétarien, c'était pas folichon. Mais bon, on va pas se battre là-dessus. Je préfère le McDo. Ne me mentionnez même pas dans les commentaires si vous préférez Burger King. Je suis désolée, mais le McDo. En plus, ils ont la Wifi qui marche bien, qui me sauve pendant mes vlogs. Et en plus, c'est tellement bon. On en parle de la sauce cream cheese. Vous savez, la petite verte qui coûte 20 centimes. C'est la meilleure de toutes. Petite parenthèse fermée, on est arrivé vers 18h en Toscane, donc dans le petit village d'à côté, pour aller faire des courses. Et c'était très mignon, et très atypique et vraiment très italien. J'ai kiffé. Fait les courses, on a acheté de quoi boire, de quoi manger, tout ce qu'il faut pour passer des bonnes vacances. Et au final, on est arrivé à la maison. Et en fait, on a la plus grosse villa que j'ai jamais vue. C'est vraiment énorme. J'ai l'impression d'être dans les anges de la télé-réalité tellement elle était grosse. Bon, c'est très atypique. Les murs sont violets, les sièges sont verts, mais c'est vraiment sublime. Je vous ferai un petit tour dans les prochains vlogs.
Et la vue, les gars, la vue, la piscine. Oh, on est arrivé pile pour le coucher de soleil et c'était juste magnifique. Donc je vais vous laisser avec ce coucher de soleil pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait moi pendant 4 secondes. Le soleil est terminé, j'étais en train de me lisser les cheveux quand tout d'un coup Solène a une idée, c'était de faire du sport tous les jours. Donc du coup demain on commence le sport? Ça veut dire que tous les jours, peu importe ce qu'on fait dans la journée, etc. On fait la séance de sport le matin. Alors déjà il y a un warm-up. Mais... je remplace les pompes par des abdos. Ouais, squat, fente et leg swing. Donc à partir de maintenant, on fera du sport tous les jours. Je vous montrerai un petit peu notre routine qu'on s'est créée pour cet été. Et puis j'espère que vous nous suivrez, qu'on fera du sport ensemble, qu'on se coachera mutuellement. Et donc voilà, on va terminer le vlog sur ça. J'espère que vous avez aimé, même si c'était pas le vlog le plus du mois. Alors à part faire un montage de nous dans la voiture pendant 14 heures, j'avais pas trop grand chose à vous montrer. Donc voilà, je suis là et je vous raconte ma life. Donc j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve demain. Demain matin avec un workout, premier jour écraché. Allez. Ciao! Et en plus là je suis en Italie donc je peux vraiment dire ciao, genre ça veut dire quelque chose. Ciao! Bon maintenant je rejoins les gens dans la piscine. Regardez, là elle est super longue. Je vais me poser ici pour monter le vlog et après je vais sauter là-dedans. Voilà, allez à demain les gars.